Depuis la mort de Mahsa Amini en détention, arrêtée le 13 septembre dernier par la police des mœurs pour un voile mal porté, une vague de colère sans précédent s'est emparée de la population iranienne. Spontanément, les Iraniens sont sortis dans les rues de Téhéran et d'autres villes du pays pour exprimer leur colère. Les images de femmes enlevant et brûlant leur voile en signe de protestation ont fait le tour du monde, tout comme celle de la répression des manifestations. En effet, en Iran, manifester pour dénoncer la dictature de la République islamique, c'est risquer de se faire rouer de coups, emprisonner, violer ou pire encore se faire tuer. De très jeunes victimes parmi les centaines de morts depuis le début des contestations. Vous connaissez maintenant le nom de Mahsa Amini, mais vous ignorez peut-être les noms de Nika Shakarami, 16 ans, a disparu le 20 septembre lors d'une manifestation à Téhéran. Son corps a été rendu à ses parents 10 jours plus tard. Hadis Najafi, 22 ans, la jeune femme a été tuée par balle le 21 septembre alors qu'elle manifestait dans la ville de Karaj. Sarina Esmaïlzadeh, 16 ans, décédée le 23 septembre après avoir été rouée de coups de matraque à la tête. Asra Panahi, une adolescente de 15 ans, battue à mort par des policiers en civil le 13 octobre car elle a refusé de chanter l'hymne pro-régime. Dariush Alizadeh, 30 ans, tuée par balle alors qu'il klaxonnait dans sa voiture. Negin Abdolmaleki, 21 ans, manifestée dans la ville de Hamedan lorsqu'elle a été frappée à coups de batte au niveau du crâne par les forces de sécurité. Et des centaines d'autres victimes. Et selon les dernières informations, les femmes emprisonnées se font violer, torturer par les gardes de la République islamique en prison. Elles demandent à leurs avocats des pilules contraceptives. Malgré ces pertes, le combat continue en Iran. Depuis quelque temps maintenant, les femmes iraniennes ont vu leur déjà maigre liberté diminuer encore, à mesure que le pouvoir donné à la police des mœurs augmentait. Directives, décrets et lois visant à durcir encore plus le code vestimentaire féminin et les punitions en cas d'infraction se sont multipliées, de même que les vidéos de femmes violentées en pleine rue par des policiers. En dépit de lois rétrogrades, les femmes n'ont eu de cesse de résister au cours des 43 dernières années. Les Iraniennes sont aujourd'hui majoritaires à l'université et le foulard n'a jamais laissé dépasser autant de mèches rebelles. À ces inégalités à l'égard des femmes s'ajoute le contexte économique très grave. La population contestataire n'a ni la prospérité économique, ni la liberté de choix, ni la liberté individuelle, ni la liberté collective et se retrouve dans une situation extrêmement délicate pour sa survie. Or, il y a un verrouillage total du système politique et judiciaire. Le régime, au lieu de répondre favorablement aux revendications, n'a fait que répondre par la répression, la terreur et l'assassinat des manifestants. L'élément déclencheur des manifestations a été, en effet, le comportement de la police des mœurs à l'encontre de Mahsa Amini, mais la colère s'est rapidement étendue à la question du hijab obligatoire. Effectivement, cette colère que nous constatons aujourd'hui du peuple iranien, ce n'est pas seulement une réaction à ce moment, c'est 43 ans de rage depuis la révolution islamique en 1979, des décennies de traumatismes, de blessures et de bouleversements qui font surface actuellement. J'ai le plaisir d'accueillir à l'antenne Caroline de Binderne, la Marianne de mai 68. Caroline, la jeunesse et surtout les femmes iraniennes, avec leur immense courage depuis plus d'un mois, sont dans les rues des différentes villes d'Iran et continuent leur révolution laïque, malgré le risque, comme je le disais précédemment, d'être battues à mort ou tuées par balles lors des manifestations. En tant que celle que l'on connaît comme la Marianne de mai 68, dites-nous Caroline, comment est-ce que vous voyez cette révolution? Je suis en admiration devant ces femmes, je trouve ça fantastique. C'est tout parce que je pense, quand je pense que les femmes ici, il y a un mouvement ici de femmes qui veulent garder le voile en France. Ça fait un coup à la laïcité, hein. Mais ce que font ces femmes-là, c'est d'un courage. Mais j'espère que
le régime iranien va céder devant ça. Vous savez que les femmes, on dit qu'on est le sexe faible, mais quand on veut quelque chose, on n'est pas si faible. En effet, vous avez raison. Caroline, est-ce que vous vous reconnaissez dans la colère des femmes iraniennes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez que nous on a eu notre lutte pour les droits des femmes. Ça a été dur, mais ça, c'est gentil à côté de ce qui se passe en Iran. Alors, à l'international, une vague de solidarité a déferlé, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur les places publiques, avec une multiplication de rassemblements et d'appels au soutien des femmes iraniennes. Pourquoi pensez-vous que le monde entier s'est intéressé à ce qui se passe en Iran et s'est intéressé au sort des femmes et a montré son soutien à l'égard des iraniennes? Ben, je trouve que c'est tellement, je ne sais pas, c'est choquant de penser que des femmes doivent vivre ça, qu'elles n'ont aucune liberté. Quand dans certaines parties du monde, on est plus ou moins libre. Quoique ça y a, en Amérique, le droit de l'avortement a été supprimé. Alors ça regresse ici. Il va falloir qu'on lutte là contre ça. Mais bon, on a d'autres libertés quand même. En effet, justement, pour que ce soit en Iran ou bien ailleurs dans le monde, que pensez-vous des tentatives de surveiller le corps des femmes? Que pensez-vous de ce contrôle que veulent avoir certains sur le corps des femmes, que ce soit par rapport à leur choix de vie ou leur choix vestimentaire? Je suis contre une telle chose. Il faut que les femmes aient une certaine liberté. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on se déshabille complètement, mais là c'est trop. Et il n'y a pas que l'habillement, il y a tout le reste. Je ne sais pas si elles vont vraiment à l'école ou elles ont le droit de rien. Caroline de Bindernes, vous pouvez nous parler de vos propres motivations lorsque vous manifestiez en mai 68. Oui, mai 68, c'est un mouvement général de liberté. Hein. Moi, j'étais plutôt dans l'art, le cinéma, mais c'était tout. Le mouvement des femmes, ça a commencé dans les années 60. Et je pense que pas si loin après, il y a la loi contre l'avortement de Simone Veil en 1975. Pouvez-vous nous rappeler, Caroline, pourquoi est-ce qu'on vous a nommé la Marianne de mai 68? Parce que je tiens un drapeau. Et en fait, c'était le drapeau du Vietnam. Parce que le mouvement de mai 68 a commencé avec la contestation de la guerre au Vietnam, en fait. Ça faisait partie des contestations. Il n'y avait pas que ça. Mais on m'a mis ce drapeau dans la main. Et finalement, quand je me suis trouvée avec ce drapeau, j'ai pensé à ce qui se passait au Vietnam. Et bon, je pensais que c'était un drapeau qui voulait tenir et tenir bien. Alors, mais il n'y avait pas que ça, bien sûr, il y avait tout le reste. Et justement, aujourd'hui, en 2022, est-ce que vous voyez les fruits de votre révolte de mai 68? Oui, bon, comme je dis, il y avait la loi sur l'avortement qui est en train d'être abolie en Amérique, mais bon, il y a l'abolition de la peine de mort. Et puis, il y a une certaine façon de penser quand même qui est en train de regresser aussi avec l'avenue du fascisme qui est inquiétant. Mais bon, c'est toujours là. Mais il faut qu'on lutte encore parce qu'il ne faut pas trop regresser. Merci beaucoup. Est-ce que, Caroline, vous souhaitez ajouter autre chose? Ben, j'espère qu'ils vont arriver
à faire reculer le gouvernement, le régime iranien, j'espère de tout mon cœur. Et je leur souhaite bravo pour leur courage. Eh bien, merci beaucoup, Caroline de Bandarne, la Marianne de mai 68, d'avoir partagé votre soutien à l'égard des femmes iraniennes avec nous aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant. Merci. Merci. On vous souhaite un bel après-midi. Au revoir. Vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.